Aujourd'hui, on va voir les aspects anatomaux et cytopathologiques des infections. Attention, c'est un cours qui est assez important parce que ça va vous permettre de reconnaître l'effet. Attendez, je vais accepter tout le monde. Parce qu'il va vous permettre de reconnaître les aspects que engendre une infection dans un corps humain. Et vous allez surtout demander des examens complémentaires nécessaires pour ça. Et ça s'est décroché. Désolée, je vais refaire la tentative. Je vais vous ouvrir une fenêtre. On va commencer le partage, désolé. Et vous allez comprendre les examens complémentaires quand vous allez faire de la clinique. Vous allez comprendre pourquoi pour chaque virus, pour chaque agent, on demande des examens particuliers. OK, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, madame. Très bien. Les objectifs, c'est de reconnaître les principales caractéristiques morphologiques des infections virales, mycosiques et parasitaires. C'est ça l'objectif du cours, c'est-à-dire reconnaître les infections virales et leurs effets sur le corps humain. Les infections bactériennes et leurs effets sur le corps humain, de même pour les infections parasitaires. De même pour les infections parasitaires. Attendez, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas comment faire pour arrêter tout ça. Virales, bactériennes et parasitaires. Je disais que les infections virales étaient très importantes et que ces derniers temps, les infections virales sont devenues une véritable arme biologique. Il faut les connaître maintenant. C'est les inflammations virales. Elles peuvent être passagères, c'est-à-dire mordre par exemple d'une grippe ou d'une chose, mais elles peuvent être fatales et même elles peuvent engendrer des cancers. Les virus ne sont pas si bénins que ça. Les virus peuvent entraîner des maladies qui peuvent être simples, mais ils peuvent s'accompagner de maladies très graves. Attention, d'accord. Et ces derniers temps, et ces dernières décennies, on est en train, la planète a assisté, on est en train de plus en plus de faire des infections de type viral. C'est quoi un virus? Un virus, c'est généralement, il est composé d'un, bon, premièrement, c'est le virus, c'est le plus petit micro-organisme. C'est un parasite intracellulaire obligatoire. Il doit parasiter. Il doit parasiter pour vivre. Généralement, il est composé d'un génome viral. Cela dépend. Il peut être ARN ou il peut être ADN. Cela dépendra de la nature du virus. Il est composé d'une capside, donc à l'intérieur, donc un génome viral. Ça peut être un ARN ou un ADN. Il a une capside qui recouvre ce matériel génétique et l'ensemble est enveloppé par une enveloppe. D'accord? Le plus souvent, c'est ça, le virus. C'est un matériel génétique
avec une capside et certains virus sont dotés d'une enveloppe. Donc, les virus sont classés comment? Ils sont classés selon le type du génome ADN ARN, selon la symétrie de la capside et selon la présence ou non d'une enveloppe. Donc, c'est simple. OK? Quelle est la pathogénie de l'infection virale? Le virus, il a un cycle. Il a un cycle. D'abord, il va s'attacher à la membrane cytoplasmique, il va pénétrer, il va se décapsider, il va synthétiser des protéines du virus en utilisant la machinerie de la cellule. Vous ne voyez pas la présentation? Attendez, je vais voir. Attendez. Désolé, merci de m'avoir fait un... Désolé, je vais reprendre. Arrêtez, je vais refaire la tentative de rentrer. Ça ne prendra que quelques secondes. Est-ce que maintenant vous voyez? Est-ce que vous voyez l'écran? Non, madame. Madame, on voit votre écran, mais il n'y a pas les diapos. On voit l'écran. Très bien. Attendez, je vais en faire. Très bien. Deuxième tentative. Très bien. Restez en place, ne bougez pas. On va le faire rapidement. Et maintenant, est-ce que vous voyez? Oui, c'est oui, madame. Oui. Donc, maintenant, vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez un grand écran ou un petit écran? Est-ce que vous voyez bien, les jeunes? Dites-moi, répondez-moi, est-ce que vous voyez bien? Madame, c'est flou. C'est flou. Attendez, on va le faire. Je vais voir quel est le problème. Attendez, je vais essayer de me faire aider. Okay. Un des problèmes à l'écran. J'arrive pas à... Il va pas à l'écran. Il va pas bien. Je sais pas pourquoi. Peut-être l'écran, je vais changer. Regarde, change. Change. L'écran, je vais... Non, pas, c'est pas ça. C'est pas ça, ça. Ouais. Le partage, c'est bien trouvé. Ah oui, le partage. Je vais faire rapidement. Okay. Eh, attends, je vais te montrer. Comment ça se passe? Comme ça. Arrêtez la présentation. On va refaire le partage. On va refaire le partage. Patientez quelques secondes. La fenêtre, comme ça. Ok, l'écran. C'est une fenêtre, c'est pas là. Ah, attends, deux fenêtres. Est-ce que vous voyez maintenant mieux? Est-ce que vous voyez mieux? Le grand écran? Très bien, on continue. Non. Alors, on continue. Vous voyez mieux? Non, c'est pas normal. Parce que, est-ce que tout le monde voit flou? Oui. Non, plus maintenant. Tu sais, normalement. C'est net, maintenant. On continue. C'est un problème de connexion. Docteur, des fois, elle apparaît net, des fois, elle apparaît flou. C'est un problème de connexion. C'est un problème à l'écran. Ah, donc c'est pas un problème NND. Parce qu'on a une bonne connexion, normalement. Alors, on continue doucement et on verra. D'accord.
Donc, j'ai dit que attachement de la, à la membrane cellulaire. Donc, pénétration, on a la décapsidation et le matériel génétique va être synthétisé en utilisant la machinerie de la cellule. Il y aura maturation et libération des virions. Donc, le virus va utiliser la machinerie de la cellule pour avancer et pour se proliférer. Alors, quand un organisme entre dans un corps humain, première ligne de défense, c'est le rôle de la barrière jouée par la peau et les muqueuses. Donc, c'est l'immunité. Quel type d'immunité? L'immunité première ligne de défense? Innée. C'est l'immunité innée, très bien. Donc, deuxième ligne de défense est le système monocyte macrophage. Leur rôle est essentiel et consiste dans la phagocytose des virus, insuffisante pour le contrôle de l'infection, mais indispensable pour la mise en jeu d'une réponse immunitaire spécifique. Donc, généralement, le plus souvent, la première ligne est défaillante. La deuxième ligne, des virus contre les virus, elle va utiliser les lymphocytes. Ce sont les principaux agents de défense contre les virus. On a la sécrétion, ces lymphocytes vont permettre une sécrétion de substances à effet antiviral, c'est ce qu'on appelle interférent. Et quand vous allez voir, vous allez faire de la gastro, vous allez voir qu'on va donner dans les hépatites virales, on va donner de l'interférent. Et c'est pour cela, comme c'est un cours très important, parce que vous allez vous familiariser avec les agents pathogènes et vous allez pouvoir demander les examens complémentaires nécessaires. D'accord? Donc, la pénétration du lymphocyte cytotoxique est capable de détruire les cellules cibles et ça va entraîner la mort de la cellule, se fait par apoptose. Donc, virus, première ligne de défense non spécifique, deuxième ligne de défense utilise les lymphocytes. Et c'est pour cela que je suis sûr que vous avez entendu beaucoup quand on a fait le virus, ce type de réaction. Ok, jusque-là, c'est simple. Maintenant, on va voir ces différents virions. Quand un virus va entrer dans un organisme, il va entraîner des lésions directes et des lésions indirectes. Les lésions directes vont permettre de reconnaître l'agent pathogène, c'est-à-dire, nous, les pathologistes, quand on voit ces lésions, on dit, voilà, on dit au clinicien, attention, ça, c'est un agent virale, ça c'est une infection virale. Ce sont des signes qui sont caractéristiques de l'infection virale. Ushnohoma, c'est la fusion membranaire avec formation de cellules géantes multinucléées. Généralement, quand on a une infection virale, on a des cellules géantes. C'est ce que j'aime, par exemple, le Covid. Quand on a eu beaucoup de décès les Covid, quand on a fait les autopsies, par exemple, on trouvait des cellules géantes. On trouvait des cellules géantes dans les poumons des cadavres. Il y a les corps d'inclusion virale et la lyse cellulaire. Ce sont des lésions qui sont, on dira, directes. C'est-à-dire que si le pathologiste le trouve, il dit que voilà, ça c'est une infection virale. Il y a des lésions indirectes qui sont liées à la réponse immunitaire. Les lésions sont variables, la congestion, l'œdème, l'inflammation et la fibrose. Donc retenez la formation de cellules géantes, la formation de corps d'inclusion virale, on va les voir, et la lyse cellulaire, ce sont des lésions directes d'infection virale. Donc, je fais quelques microphotographies de lésions virales. Regardez là, c'est une pneumonie rougeoleuse. Au cours de la rougeole, on a une pneumonie, c'est-à-dire on fait une infection pulmonaire. Et dans cette infection pulmonaire, quand on va faire des prélèvements, on va retrouver ces cellules géantes-là. Regardez, voilà les cellules géantes. C'est une pneumonie rougeoleuse. Et ces cellules géantes, elles ont un nom particulier. Ce sont des cellules de Wartenfinkeldey. Au cours de l'herpès, par exemple, dans les infections, quand on fait un frottis cervico-vaginal, on colore avec quoi un frottis cervico-vaginal? Pour les gens qui sont venus dans le service, quelle est la coloration qu'on utilise pour les frottis? Papa Nicolaou. Bravo, bravo, c'est le Papa Nicolaou. Généralement, qui connaît un bravo Yasmine. Donc, quand on a des frottis cervico-vaginaux, et la femme fait une lésion herpétique, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce frottis? On va trouver des cellules
Ils ont un noyau très caractéristique. Regardez-les maintenant. Est-ce que vous voyez la flèche? Est-ce que vous voyez ma flèche? Oui, madame. Très bien. Regardez cette cellule. Elle est très caractéristique. C'est une cellule herpétique. Elle a des noyaux qui sont moulés les uns sur les autres. Ce que vous voyez là, c'est un nucléole. Et là, ce sont des noyaux qui sont moulés. Donc, là, quand on les trouve, on est sûr que c'est une lésion herpétique. Et regardez là, vous avez, dans une lésion cutanée, Naya, dans cette microphotographie, vous avez une lésion cutanée avec des inclusions intranucléaires dans les kératinocytes. Là, on est sûr que c'est une infection virale. Et parfois, le virus entraîne des lésions de fibrose. Vous avez vu ça, faut le forme dans le TP. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je pense que fait comme il c'est quoi ces lésions? Alors? Est-ce que on a vu ça, les TP? Est-ce que quelqu'un reconnaît? Je pense que qui reconnaît. Non, quoi? C'est quoi? Dites-moi, c'est quoi ça? Hadi, c'est quoi ça? Cette photo, c'est une photo de quoi? Fibrose? C'est de la fibrose. C'est une cirrhose. En bleu, c'est de la fibrose. C'est quoi comme coloration, Hadi? Hein? Alors? H-E. Bravo. C'est quoi? C'est quoi comme coloration? Non, ce n'est pas un H. Pourquoi elle est colorée en bleu comme ça? C'est une coloration spéciale. De quel type? C'est un trichrome. Bravo BM. Je ne sais pas qui c'est BM, mais bravo. C'est un trichrome. Et ce trichrome met en évidence cette fibrose. Et généralement, cette fibrose, son point de départ, c'est une infection virale, c'est l'hépatite B. Donc, vous regardez, donc vous voyez que la fibrose, l'infection virale hépatique peut être destructrice et responsable d'une insuffisance hépatocellulaire. Les inflammations virales, les principales inflammations virales, je viens donc le virus. Quelles sont les trois caractéristiques morphologiques du virus? Ou je viens au début. Premièrement, c'est un matériel génétique. Il peut être de quel type? Le matériel génétique. ADN ou ARN? ADN ou ARN. Associé ou Shkaintani? Des trois caractéristiques. Associé avec une capsule. ADN. Une capside, et l'ensemble est entouré par? Une enveloppe. Est entouré par une enveloppe. Donc, le virus, il peut être, les types de virus qu'on peut avoir dans un corps humain, ce sont des virus épidermotropes. Épidermotropes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui colonise la peau, des virus neurotropes, c'est-à-dire le système nerveux central, mucotropes, c'est-à-dire les muqueuses, hépatotropes, c'est-à-dire qui atteignent le foie, adénotropes, ce sont les cellules. Adéno, c'est quoi? Adénotropes. Au niveau des ganglions. Bravo, c'est au niveau des ganglions. Et on a les rétrovirus. Et on a les rétrovirus. Donc, les virus du groupe épidermotrope, l'herpès, donc ce sont les virus du groupe herpès, ils sont responsables de l'apparition de vésicules cutanées ou de muqueuses. Le virus, quand vous avez un malade avec des lésions vésiculeuses au niveau de la peau, il faut penser au virus de l'herpès. Vous voyez ces vésicules-là? C'est des lésions vésiculaires. Vous voyez au niveau de la peau des petites vésicules, il faut penser à l'herpès. Donc généralement, les vésicules sont situées dans le corps muqueux de Malpighi, résultant de la dégénérescence ballonnisante des cellules épithéliales. Regardez comment ils désorganisent la peau. Ces cellules ont un cytoplasme. Je dois tout accepter en parallèle. Ces cellules ont un cytoplasme clair et des noyaux augmentés de volume contenant des inclusions. Donc, lorsqu'on fait un prélèvement au niveau de la peau, on reconnaît, voilà que c'est une lésion herpétique. Donc, vous avez les virus épidermotropes et là, vous avez le zona. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un zona? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a fait déjà un zona ou qui a vu un zona?
s'il y a des personnes qui ont vu des zonas. Non. Le zona, généralement, a une localisation particulière, une distribution particulière, mais ce sont des petites vésicules sur la peau. Donc, virus épidermotrope, on a aussi ce qu'on appelle le papillomavirus. Le papillomavirus. Ils sont responsables de lésions hyperplasiques, épidermiques ou des muqueuses malpighiennes, l'HPV. Le papillomavirus, c'est l'HPV. Au niveau de la peau, il va entraîner une verrue vulgaire. Au niveau des muqueuses, il va entraîner ce qu'on appelle un condylome. Donc, le papillomavirus ou l'HPV, au niveau de la peau, il y a une verrue. Au niveau du col ou de l'anus, c'est-à-dire au niveau des muqueuses, il y a un condylome. Est-ce que c'est quoi une verrue vulgaire? Est-ce que vous avez une verrue vulgaire, une verrue? Une verrue. Je trouve tout les lésions qu'on voit au niveau quand on les fait qu'on nous rage au niveau des doigts. Quand voilà, vous allez prendre l'ouraqta, voilà, vous allez les mouiller avec et ça va disparaître. Est-ce que vous les connaissez? Madame, c'est tout là, nous. C'est tout là, nous, en arabe. Ah, en arabe, on parle tout là, effectivement. Les toulets, ce sont les verrues vulgaires, généralement, c'est bon au niveau des doigts des enfants. Ça, c'est une verrue vulgaire, et ce sont des lésions qui sont d'origine virale. Et c'est pour cela qu'ils se multiplient au niveau de la peau, et c'est pour cela qu'on évite de se toucher. Parce que peur, et qu'on ne sera que le colon à les parents, attention, ne lui touchez pas, vous allez être contaminé. Effectivement, parce que ce sont des lésions virales, et quand vous les touchez généralement, il y a un contact avec une autre personne au niveau des doigts, vous risquez d'être contaminé, vous allez faire vous-même des verrues vulgaires. C'est quoi des verrues vulgaires? C'est une lésion qui est liée au virus de l'HPV de la peau. Elle est caractérisée par une hyperplasie épidermique avec une papillomatose et une acanthose. C'est-à-dire, vous avez une lésion, voilà, c'est une lésion exophytique. Quand on la coupe avec tout là, où la verrue, on la coupe, on va trouver des coélocytes au niveau de la peau et on sait que ce sont, là, on pose le diagnostic d'une verrue vulgaire. Pourquoi? Parce que dans l'épaisseur de la peau, on a retrouvé des coélocytes. Les coélocytes, ils sont caractéristiques d'une infection virale. De la même façon, si au niveau du col, par contre, au niveau du col, on les appelle pas verrues vulgaires, on les appelle... Comment on les appelle au niveau du col, au niveau de la muqueuse anale et de la muqueuse cervicale, le col? Mais ce mouramche, c'est toujours l'HPV. Au niveau de la peau, on appelle ça verrue. Mais au niveau du col, comment on l'appelle? Vous allez faire de la gynéco. On les appelle, qui a une idée? Qui a une idée? Vous n'avez pas, on appelle ça condylome. Ça a une terminologie particulière. Au niveau de la peau, on appelle ça verrue vulgaire. Au niveau du col, on appelle ça condylome. Et il y a une autre lésion. Il y a une autre lésion au niveau de la peau qu'on appelle le molluscum contagiosum et qui est liée, cette lésion est liée à un virus très particulier, c'est le papovirus, qui entraîne aussi ces lésions particulières qui sont caractérisées, qui touchent les cellules épidermiques. Regardez comment on a un épithélium normal. Là, c'est un épithélium normal. Et remarquez, dans cette partie-là, l'infection est une infection virale à ce papovirus. Et on a ces cellules qui vont se nécroser et se désintégrer et qui auront un cytoplasme très rosé. Donc, au niveau de la peau, où on a comme lésion, comme virus, Andena, le virus herpétique qui entraîne des vésicules, c'est le zona. Le zona, c'est une inflammation virale, vous allez la voir au cours de votre formation. On a l'HPV va entraîner au niveau de la peau une verrue vulgaire. Au niveau du col, il va entraîner un condylome. Et on a le molluscum contagiosum qui est aussi une inflammation virale. Voilà au niveau du col, ça c'est un condylome, c'est le même virus HPV, mais ça c'est au niveau du col. Là, vous voyez un coélocyte, voilà un coélocyte, c'est une cellule épithéliale avec un noyau en tache. Donc, on a
un cytoplasme qui est clarifié. Ou alors j'ai le cytoplasme clarifié. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Le coïlocytada, il est très caractéristique de l'infection virale HPV au niveau du col. Il est lié à quoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il peut nous aider. Il n'y a pas qui peut nous aider, Kesh? Parce que tout simplement, je vais vous expliquer, vous allez retenir ça. Ça, c'est très important, parce que vous en aurez besoin quand vous allez faire votre module de gynéco prochainement, dans les années que vous allez faire. Chauffe-eau. Un virus, quand une femme se marie, généralement, le mari a fait un cadeau. Il a fait un HPV. Cet HPV, il va rentrer dans les couches profondes de l'épithélium cervical, au niveau de la jonction endo-exo, il va pénétrer au niveau des cellules basales, et comme le virus, c'est un virus ARN, il va utiliser la machinerie, il va s'intégrer dans le matériel génétique, il va utiliser la machinerie et il va se multiplier. Quand il va se multiplier, les virions, Adoma, ils vont se déposer autour du noyau, ils vont pousser le cytoplasme à la périphérie, et quand on va colorer, nous, on va pas, c'est cette place, la vide, c'est la place des virions. Et c'est pour cela que le coïlocyte est très caractéristique de l'infection virale. Allez, parce que l'espace clair, ce que vous voyez là, ça, c'est l'espace qui est occupé par les virions, tel le virus HPV. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris pourquoi ce coïlocyte, cette cellule-là, qu'on va appeler coïlocyte, est très caractéristique. C'est elle qui permet de poser le diagnostic de l'infection virale. OK? On le après mes femmes, attention. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser directement. Pour les virus neurotropes, on a le virus de la poliomyélite antérieure aiguë. Et c'est pour cela qu'on se fait vacciner contre la polio. C'est une infection virale. Généralement, l'infection virale entraîne une immunité durable, c'est-à-dire une fois, donc et c'est pour cela qu'on se fait vacciner, parce que la poliomyélite, les conséquences peuvent être néfastes et ça peut entraîner la paralysie. Elle est due à un entérovirus qui infecte les neurones des corones antérieures de la moelle et des noyaux des nerfs crâniens. Donc l'HPV a un tropisme pour les cellules malpighiennes, la polio, l'entérovirus de la polio a un tropisme pour la paroi, pour le parenchyme médulaire au niveau de la corne antérieure. Il va entraîner des dégâts et ces dégâts sont responsables du déficit neurologique séquelaire, c'est-à-dire c'est la paralysie, et ils vont devenir correspondant, traduisant les lésions de dégénérescence puis des nécroses. Donc, ce virus de polio va coloniser la paroi, va coloniser les cornes antérieures de la moelle médulaire. On a les virus mycotropes. Les virus mycotropes, c'est les virus de la grippe. Donc, quand vous faites une grippe, vous êtes en train de faire vous êtes contaminé par un virus mycotrope, comme le virus de l'influenza, de la rougeole, des adénovirus qui infectent essentiellement les muqueuses respiratoires. Donc, les virus ont un tropisme pour certaines localisations. L'HPV, c'est le col, l'anus, la peau. Le virus de la grippe, la rougeole et les adénovirus infectent essentiellement les muqueuses respiratoires. Donc, et Thomas, c'est bouche, par exemple, il dit avec une grippe, il y a HPV comme virus. Donc, vous allez faire un raisonnement diagnostique parce que vous avez que chaque virus infecte une localisation particulière. Là, vous avez une pneumonie rougeoleuse, cellule particulière, et là, vous avez des signes directs. Par exemple, il y a une vacuole. Là, vous avez, par exemple, un noyau qui a un nucléaire très proéminent en rapport avec une infection virale. Le coronavirus. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du coronavirus? On a fait 3 ans de corona. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez comme information sur le corona? La porte d'entrée d'Yalo, premièrement. Quelle est la porte d'entrée du Covid?
Vous n'avez pas d'idée. Les voies aériennes. Les voies aériennes. Les voies respiratoires. Les voies respiratoires. Là, c'est pas, je ne suis pas en train de vous faire un examen. Là, on est en train de discuter. Qu'est-ce que vous connaissez du Covid? Donc, il va infecter les voies respiratoires, effectivement, aussi. Provoque la coagulation du sang. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Allez-y, Sarah. Provoque la coagulation du sang. Hadik, elle est liée, pas au virus, mais à l'effet immunitaire du virus. D'accord? C'est une inflammation exagérée. Oui, Dunia? Oui. Répétez. Inflammation exagérée. Il va être entraîné effectivement une réaction inflammatoire exagérée. Zedo. Pourquoi le virus a été néfaste? Pourquoi le virus était grave? Il va entraîner des thromboses. Mais c'est pas le virus. Ça, c'est l'effet immunitaire du virus. Alors, le Covid était difficile par rapport aux autres virus respiratoires. Parce qu'ils ne connaissent pas le mécanisme dont il fonctionne dans le corps. Parce que il va d'abord, le virus, il va entraîner une réaction immunitaire cataclysmique. D'accord? Parce que cette réaction immunitaire cataclysmique, il y a tous les effets du Covid. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va entraîner de dommages au niveau des alvéoles. Il va pénétrer dans le poumon, comme tout virus. Qui met le virus de l'herpès? Qui met le virus respiratoire? Il va pénétrer au niveau du poumon, il va entraîner des dommages alvéolaires. Où je prends la mukbila? Quelle est la réaction le virus? Qu'est-ce qu'il va provoquer comme réaction au niveau du système immunitaire? Quelle est la cellule qui va réagir le plus contre les virus? C'est comme au début du cours. C'est le lymphocyte. Oui, bravo. C'est le lymphocyte. C'est le lymphocyte. Le virus, le Covid a été grave parce que, un, il va entraîner une stimulation importante des lymphocytes avec une sécrétion très importante de substances. Et d'autre part, il va entraîner des dégâts au niveau du poumon, ce qu'on appelle les dégâts alvéolaires. Wushman aussi, on a parlé de fibrose tout à l'heure, vous vous rappelez? Le virus est capable d'entraîner une fibrose importante. Le virus hépatotrope, il va entraîner une fibrose importante au niveau du foie, il va entraîner une cirrhose. Et est-ce qu'il y a des gens, après être guéris, très bien, ça va entraîner une fibrose, Moussaab, bravo, ça va entraîner une fibrose pulmonaire. Et cette fibrose pulmonaire, c'est elle qui a été responsable de cette insuffisance respiratoire. Donc le virus, quand il va entraîner des dommages, regardez là, ça c'est une paroi alvéolaire, au cours du Covid, il va détruire les alvéoles et entraîner une réaction fibreuse. Qui dit réaction fibreuse alvéolaire? Où je n'aurai pas les conséquences quand il y a de la fibrose au niveau du poumon des parois alvéolaires? Où je n'aurai pas les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il n'y aura pas d'échange. Non, il n'y aura pas d'échange. Quand il n'y aura pas d'échange, maldouche, parce que généralement, la paroi alvéolaire, elle est fine. Trouble de l'hématose. Qui fais-je? Trouble de l'hématose. Surtout, elle va entraîner une dyspnée. Elle va entraîner une insuffisance respiratoire, parce que généralement, la paroi alvéolaire, elle est fine. Elle permet le passage de l'oxygène des voies respiratoires vers le sang, pour permettre un échange. Et quand la fibrose s'installe, elle va gêner cet échange. Et elle va entraîner, c'est pour cela que le virus Covid, quand le malade guérit, il va faire une fibrose pulmonaire, il va faire une insuffisance respiratoire chronique. Elle dit la gravité du Covid. Donc, je trouve que le virus peut entrer. Et d'autre part, il va entraîner une réaction inflammatoire très importante, riche en lymphocytes, et qui, cette réaction très importante, va entraîner donc les troubles de la coagulation. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe.
Donc, maintenant, les virus hépatotropes. Je fais les virus respiratoires, les virus épidermotropes. Les virus épidermotropes, quelles sont les lésions? Rappelez-moi. Rappelez-moi ce qu'on a vu comme lésions au niveau de la peau. L'herpès. Très bien, la lésion herpétique, c'est le zona. Virus. HPV. L'HPV va entraîner quoi? Verrue vulgaire. Une verrue vulgaire, bravo. Condylome. 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 Le condylome au niveau des muqueuses. Au niveau des muqueuses, bravo. Et le molluscum contagiosum est aussi au niveau de la peau. Au niveau du foie, on a ce qu'on appelle les virus de l'hépatite. Quels sont les virus de l'hépatite? Où est-ce que tu as le virus de l'hépatite? A, B, C et D. Hépatite C, B. Très bien. On a l'hépatite A, qui est passagère, l'hépatite B, et l'hépatite C, et l'hépatite D, qui est plus rare. Mais le plus important, ce sont les hépatites B et les hépatites C. Les hépatites C, généralement, la voie d'entrée. Attention, c'est le dentiste. C'est le dentiste. La voie sanguine, c'est le dentiste. Le sang, bravo, Wissem. Donc, on continue. Et regardez les lésions qu'entraîne une hépatite B. Quand le foie est colonisé par un virus de l'hépatite B, c'est ce mot virus de l'hépatite B, parce qu'il y a un tropisme pour le foie. Il y a un tropisme pour le foie. Et on a une nécrose acidophile, voilà, ce qu'on appelle une nécrose, des corps de Kwalsinman. Le corps de Kwalsinman, c'est une nécrose cellulaire. Il va entraîner, vous vous rappelez, on a soit il entraîne une cellule géante, soit il va entraîner une nécrose de la cellule, soit il va entraîner des pseudo-inclusions nucléaires. À Douga, ce sont les effets directs. Au niveau du foie, le virus de l'hépatite B va entraîner des lyses de cellules, on les appelle des corps de Kwalsinman, et on va entraîner un aspect très particulier du cytoplasme, ce sont les cellules en vert des poly. Retenez les deux notions. Il va entraîner, il va transformer le cytoplasme des cellules, et le cytoplasme est particulier, ce qu'on appelle, c'est un cytoplasme, un aspect glacé, très rose, c'est le cytoplasme en vert des poly. Il va entraîner des nécroses cellulaires qui m'a dit qu'on va appeler les corps de Kwalsinman. Hadouma, les deux altérations du virus de l'hépatite B. On continue. Donc, je fais épidermotrope, mucotrope et hépatotrope. Et à côté de ces lésions cellulaires, il va entraîner une fibrose. Et cette fibrose va être responsable de l'apparition de quoi? D'une cirrhose. Les virus adénotropes, attention, ils sont très virulents, ils vont entraîner, par exemple, le virus de l'Epstein-Barr. L'Epstein-Barr, c'est un virus qui a un tropisme, les hèbles ganglions. Il est responsable de ce qu'on appelle de la MNI, la mononucléose infectieuse. Mais attention, c'est-à-dire, il entraîne une MNI, c'est-à-dire, c'est une inflammation virale au niveau du ganglion qu'on appelle mononucléose infectieuse, mais il peut entraîner ce qu'on appelle des lymphomes. C'est quoi un lymphome? Un lymphome. C'est quoi un lymphome? Est-ce que vous avez cancer des voies? Cancer. Des voies lymphatiques. C'est une prolifération tumorale des lymphocytes. D'accord? C'est une prolifération tumorale des lymphocytes. Quand ce sont des cellules B, on colle au lymphome B. Quand c'est des cellules T, on colle au lymphome T. Ou sinon, on a ce qu'on appelle un lymphome Hodgkinien. Le virus, l'EBV, il entraîne une mononucléose infectieuse, c'est une forme bénigne, mais il peut être responsable de l'apparition du lymphome. On a un cancer très particulier, tu as le bassin méditerranéen, qu'on appelle le carcinome du nasopharynx. Carcinome du nasopharynx, les responsables B, c'est cette Epstein-Barr virus ou le BV. Donc, le BV, qu'est-ce qu'il entraîne comme lésion?
il entraîne une mononucléose infectieuse, un lymphome B, un lymphome de Hodgkin et un carcinome du nasopharynx. Les rétrovirus, ce sont des virus qui possèdent une enzyme qu'on appelle transcriptase inverse, qui permet la transcription rétrograde de l'ARN en ADN. D'accord ? Qui m'a le VIH, bravo. Alors, ça peut aller rapidement. Qui m'a le VIH, ou peut-être qui m'a le human T, l'HTLV1 virus. C'est un oncovirus qui est impliqué dans le leucémie et les lymphomes T. Donc, aide à l'HTLV1 va entraîner des leucémies et des lymphomes. Et l'HIV, bien sûr, à la Belcom, il va entraîner. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Il est responsable du quoi? L'HIV, c'est un... Bravo, ce qu'on appelle SIDA, d'immunodéficience acquise. Alors, l'évolution de l'infection virale. Premièrement, l'infection virale, c'est ce qu'on appelle l'infection primaire. Cette infection primaire peut être aiguë, symptomatique, inapparente, ou il n'y a pas de souci. C'est la majorité des virus. On fait une hépatite, on guérit. Une grippe, on va guérir. Mais quand on fait une virus B, par contre là, ça va passer dans la chronicité. Quand on fait une hépatite C, ça va passer dans la chronicité. Dans certains cas, il y a le virus dans un état de latence. Et parfois, il est réactivé quand on a une immunodéficience. Il peut entraîner parfois des infections persistantes, comme l'hépatite B et C. Ou les connaissons parfois, ils sont de type oncogène, ils vont entraîner des maladies cancéreuses. D'accord? Donc, vous voyez que les virus, il y a des effets très importants. L'effet oncogénique. Certains virus sont capables d'induire des cancers et des tumeurs. Plusieurs types de virus sont associés. Pardon. Le VIH induit les cancers du col chez la femme. Qui m'a par exemple, la Nicéline, par exemple, un exemple. Qui m'a l'HPV. Le carcinome. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Le cancer du col, c'est un cancer viral. Il est entraîné par l'HPV dans 98% des cas. Ça a rien d'autres tumeurs qui sont associées au virus. Les virus qui sont oncogènes et qui entraînent des tumeurs, c'est le BV. Je finis à mon pays là. Le BV, qu'est-ce qu'il entraîne? Le BV, l'Epstein-Barr. Les lymphomes B, le carcinome. Les lymphomes B. Très bien, les lymphomes aussi. Et le carcinome de pareil. Mononucléose infectieuse. Dans les bénins, mais quand ils entraînent. Très bien. Ils peuvent entraîner le cancer, le carcinome du nasopharynx. Il peut entraîner un lymphome. Il peut entraîner une maladie d'Hodgkin. Le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C vont entraîner quoi? Ils vont entraîner l'apparition d'un cancer du foie, du carcinome hépatocellulaire, sur la cirrhose, qui se développe généralement sur une cirrhose. Et c'est pour cela, quand on a généralement un cancer du foie, il se développe le plus souvent sur une cirrhose. Regardez, là c'est une cirrhose. Vous reconnaissez les nodules, et là il y a un cancer qui s'est développé sur une cirrhose. Là, c'est un cancer du col qui est lié à l'HPV. L'HHV8. Qu'est-ce qu'il entraîne, l'HHV8? Je ne sais pas si vous connaissez. Il va entraîner le sarcome de Kaposi. Donc certains virus peuvent être quand même difficiles et entraîner des maladies qui sont cancéreuses. Alors, comment un pathologiste peut aider pour ça, peut aider dans l'identification des infections virales? Premièrement, par la constatation de lésions cellulaires évocatrices d'un effet cytopathogène et la présentation générale des lésions tissulaires. Il peut reconnaître à ces effets directs. Tu connais que j'avais atteint un exemple d'un effet direct du virus. Ou là, on fait encore le début du cours. Un effet direct du virus. Si vous vous en rappelez, là, c'est pas un examen. Si vous vous en rappelez pas, m'allège. Mais un effet direct. Par exemple, l'apparition de cellules géantes. Bravo, l'apparition de cellules géantes.
L'herpès, il entraîne les moules. C'est le géant. C'est le géant, la pseudo-inclusion nucléaire aussi. Inclusion membrane. Très bien. Adouhouma, ce sont des lésions directes du virus. Maintenant, regardez là. On a des techniques par lesquelles on peut les visualiser. Par exemple, si on prend Hada, c'est un foie qui est infecté par les virus de l'hépatite B. Quand on fait un immunomarquage contre le virus de l'hépatite B, regardez, toutes les cellules qui sont en marron, là, elles sont infectées par le virus B. L'Epstein-Barr virus qu'on a vu tout à l'heure, on peut le mettre en évidence par des techniques d'hybridation. Donc, l'ANAPAD peut le reconnaître soit par un examen. Si lesquels ont un effet cytopathogène, on les reconnaît. Par exemple, au niveau du foie, le virus de l'hépatite B, on peut le reconnaître grâce au corps de Quinn-Simon, ou là, à l'aspect en vert dépoli du cytoplasme des cellules, ok. Et on peut les mettre en évidence grâce à l'immunohistochimie, ou là, à la biologie moléculaire. Alors, maintenant, on va voir les parasites. Les inflammations d'origine virale sont dues aux parasites. Elles sont fréquentes surtout chez les patients immunodéprimés. Ce sont les patients immunodéprimés qui font beaucoup d'infections virales ou parasitaires. Certaines inflammations parasitaires, ils peuvent entraîner une lésion de type granulomateuse. Est-ce que vous connaissez ou chemin granulomateuse? Ou chemin granulomateuse, qui est de toutes les formes de l'inflammation. Je parle comme l'enseignant. Une inflammation granulomateuse. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bravo, c'est une hypersensibilité de type 4. Bravo. Ne fera qu'une chauffette des réponses. Ça veut dire que vous avez compris le cours. Parce que les états immunitaires, entre une hypersensibilité de type 1, 2, 3, 4. Dans l'apparition de l'inflammation granulomateuse, parfois qui est entraînée, même les virus peuvent entraîner, hein, surtout dans les cas des parasites, on peut avoir une inflammation de type granulomateuse. Elle est caractérisée par l'apparition de quoi? C'est la persistance de l'inflammation. Bah, liche. Mais qui croit le granulomateuse? Chnou, il y a la raison caractéristique taha et qui fait intervenir une hypersensibilité de type 4. Réfléchissez. L'hypersensibilité de type 4. C'est les cellules géantes. Les cellules géantes, d'accord. Les infections à corps étranger qualifiées comme cellules géantes, mais elles ne sont pas granulomateuses. Les inflammations granulomateuses qui font un granulome de type follicule, oui, zédolé. Un granulome, follicule, comment on l'appelle? Un follicule. Qui fâche? LT et polynucléaire. Ah, mais c'est pas ça. Zédo. Un follicule et quelle est la cellule de base d'une inflammation granulomateuse? La cellule la plus épithéloïde. C'est la cellule épithéloïde. Ah, yeah, bravo. C'est la cellule épithéloïde. Donc, c'est une inflammation. Ce sont des follicules épithéliaux gigantocellulaires. D'accord? Donc, l'inflammation épithélio-gigantocellulaire. Très bien. Donc, la majorité des parasites sont visibles. Allez, c'est une question de taille. Les parasites, quand on les voit dans le corps humain, ont une corpulence. Ils sont grands par rapport au virus ou là, par rapport aux bactéries. Donc, on les voit. On peut utiliser des colorations spéciales pour les voir. On peut utiliser la coloration de Guillemsa pour voir les leishmanies. On appelle ça une leishmaniose. On peut avoir une coloration de Wertensteiner. On peut utiliser ces colorations particulières. On peut utiliser une coloration de Gram modifiée. On peut utiliser un pass dans le cadre, par exemple, pour voir une toxoplasmose. D'accord? Et on peut s'aider de l'immunohistochimie. D'accord? Pour voir. Et parfois, on le voit même à l'acheux. Sans avoir, allez, les réactions au contact du parasite, on peut avoir des réactions diverses. On peut avoir une réaction inflammatoire à polynucléaire et éosinophile, qui, généralement, ce sont les helminthiases. Là, quand on voit une amibiase, une helminthiase, elles sont riches en polynucléaire et éosinophile.
On peut voir une réaction inflammatoire à corps étranger, qui m'a la toxoplasmose. Donc, on peut avoir au contact, et on peut avoir même une lésion granulomateuse. Donc, au contact, par exemple, a comme un collant, on a reçu des biopsies d'un collant, ou chauffou, il croit que voilà, il a une diarrhée depuis quelque temps, avec des douleurs abdominales. On sait beau, hein, une muqueuse colique qui est riche en polynucléaires et éosinophiles. Naya, on suspecte l'infection parasitaire. OK. Ou là, on trouve, par exemple, vous faites, par exemple, vous êtes en train de lire une FNS, et vous trouvez un taux d'éosinophile qui est élevé. Ah, là, vous suspectez trop, peut-être, une inflammation parasitaire, giardiose, hadoma. Donc, là, allez bien, contre le coup, ce cours est important, parce que, il va vous permettre de lire correctement vos examens complémentaires. Regardez, parmi les infections parasitaires, on a le kystidatique. Le kystidatique, c'est comme ça, ce sont des vésicules de taille variable, là que tu vois, à l'intérieur d'une paroi kystique. L'agent, c'est le Ténia echinococcus. La contamination est accidentelle par contact avec le chien. Normalement, le kystidatique, t'as à la fois. La macro, c'est quoi? C'est un kyste contenant un liquide clair et des vésicules qu'on appelle les vésicules phi. Ce sont des vésicules à contenu clair. Il peut siéger dans n'importe quelle localisation. Mais le plus souvent au niveau, le plus souvent quel niveau? Le kystidatique. Hépatique. Hépatique aussi. Rappelle l'hépatique. Oui. Pulmonaire. Attention au kystidatique. Donc, comment il est fait ce kyste? Le kyste, attention à ces questions que je vais poser pendant l'examen. La question va être posée. Mais la paroi du kystidatique, elle est faite de quoi? Elle est faite d'une adventiste, c'est-à-dire qu'on appelle périkyste. C'est la partie la plus extérieure de l'organe. Donc, regardez, où est le périkyste? Le périkyste, c'est la partie la plus externe du kyste. C'est pratiquement, elle appartient à l'organe, parce que l'organe, quand un kystidatique pousse dans un poumon ou là il pousse dans un foie, il va pousser le parenchyme et là il y aura une réaction inflammatoire et cette réaction inflammatoire va être responsable de l'apparition d'une adventice. Donc c'est la paroi la plus externe. Et là, peut-être la paroi la plus externe qu'on appelle périkyste parce qu'elle recouvre le kyste. Pardon. On a une... Oui. J'ai pas vu le périkytisme. Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le périkytisme. Le périkyste. Un périkyste. Un périkyste. C'est-à-dire c'est la paroi qui vient à l'extérieur du kyste. L'organe. Donc un kyste hydatique, il est fait d'une adventiste. Ce mot a aussi périkyste. Elle est fibreuse, elle est formée à partir des tissus de l'autre manier. Comment est le périkyste? Il est là. C'est la partie la plus externe. Elle est là. Où est le périkyste? D'accord? Tête le périkyste, on a la membrane lamellaire qui est faiblement éosinophile. Hein, la membrane lamellaire. Elle est aniste, ce qu'on appelle cuticule. Où on a la membrane proligère. C'est la membrane la plus interne. Et la membrane, c'est la membrane germinative. Elle est là, regardez là, la membrane proligère. C'est la membrane la plus interne. Hada, c'est la cuticule. Ou hada, c'est la membrane proligère. La membrane proligère, elle va donner les vésicules phi. Je dois dire, hada, les vésicules phi, hnaya. C'est ces vésicules-là, hada, qui baignent dans le kyste. D'accord? Alors, le canal du kyste, il se rompe dans le poumon. Où est-ce que ça? Si ce kyste se rompe, le plus souvent, il se rompe dans le poumon. Qu'est-ce qui va partir? Qu'est-ce que vous dites? Il va se passer que le malade va vomir tous ses vésicules phi par la bouche. Il va le vomir. Ça va entraîner même un état de choc anaphylactique. D'accord? Alors, où sont les trois membranes, Adoma?
Hnaya, à l'extérieur, on a le périchyste. La cuticule, la membrane germinative, elle est à l'intérieur. Et les vésicules fiha. Donc, je me répète. Adventice est l'organe. La cuticule, la membrane germinative, qui va donner naissance, ce qu'on appelle au scolex ou aux vésicules fi. Ça, donc, les autres inflammations parasitaires, par exemple, la toxoplasmose. La toxoplasmose, où je suis fois, je suis fois surtout, une trafoura. La femme enceinte, elle est due à Toxoplasma gondii. Elle entraîne une augmentation. Généralement, on les suit. C'est pour cela que la femme quitte, on s'attache en colo là. Mais t'es cliché, il faut pas manger. La viande crue. Il faut même pas manger la viande crue. Il faut bien laver tous les légumes. À cause de ça, pour ne pas être contaminé, parce que Kimar, effectivement, c'est le chat. Donc, histologie, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une hyperplasie ganglionnaire. On va trouver une plasmocytose médulaire et on va trouver des petits amas de cellules épithéloïdes histiocytaires au niveau du ganglion. Elle est néfaste parce que la toxoplasmose chez la femme enceinte, elle va entraîner des malformations congénitales. La leishmaniose, elle est due à la leishmania donovani. C'est une leishmaniose cutanée. Elle peut être viscérale et on a des cellules caractéristiques, au niveau de, et elle va entraîner une splénomégalie avec une hépatomégalie, on appelle ça Kala-Hazard. Et vous allez les voir, et on a des macrophages particuliers qui sont, ce sont des macrophages qui sont contaminés par des leishmanies. Ok? On a la bilharziose, qui est due à schistosomia, donovani, monsoni ou hématobium. Généralement, la bilharziose, généralement, elle touche le vésical, elle touche la paroi vésicale, mais elle peut entraîner des lésions hépatiques. Alors, la bilharziose, on appelle comment en arabe? Haïl, ahum, la bilharziose vésicale, voilà le schistosomia, voilà, regardez, c'est comme ça qu'on les retrouve au niveau de la vessie. Quel est le chanteur très connu qui a fait une bilharziose? Qui est décédé par une bilharziose. Alors, un chanteur connu qui a fait une bilharziose, qui est décédé par sa bilharziose, qui a fait une bilharziose hépatique. Michael Jackson. Là. Alors, vous savez pas, égyptien. Et qui a fait une insuffisance hépatocellulaire. Allez-y. Abdelhalim Hafid. Abdelhalim Hafid. Eh bien, Abdelhalim Hafid est décédé. Selon Google, madame. Quoi? Google. Ah, Google. Bravo. Au moins, vous vous êtes sorti. Eh bien, monsieur, le chanteur Abdelhalim Hafid a fait une bilharziose. Et cette bilharziose a entraîné chez lui une cirrhose hépatique. Il a fait une cirrhose post-bilharziose, malheureusement. On a l'amibiase, elle est causée par un protozoaire qui infecte majoritairement l'homme. Elle se manifeste cliniquement sous deux formes. L'amibiase intestinale, c'est la plus fréquente, et l'amibiase hépatique. C'est une lésion parasitaire. Donc, il y a une inflammation aussi qui est parasitaire, qui est fréquente, c'est la giardiose. Elle entraîne une insuffisance intestinale, une malabsorption, elle est responsable d'une malabsorption intestinale, et ce qu'on appelle giardiose, elle est due à l'apparition de giardia. Voilà, ça c'est une muqueuse intestinale et là vous avez des giardia. La giardiose, elle est très répandue. Généralement, on la suspecte chez l'enfant qui fait un tableau de malabsorption intestinale. D'accord? Qui connaît la maladie des griffes des chats? Attention aux chats. Les chats peuvent vous entraîner. C'est un parasite intracellulaire qui est transmis par la griffe de chat. Ce sont généralement elles entraînent des lésions ganglionnaires. C'est le ganglion de l'épitrochlée et on aura des granulomes qui sont centrés par une nécrose supérative. Normalement, on va dire comment elle est, non?
Est-ce que normalement, comme elle a fait les formes de l'inflammation chronique, les inflammations granulomateuses, normalement, on vous a parlé de la maladie des griffes des chats. Maintenant, les inflammations d'origine mycosique, elles sont fréquentes chez les sujets aussi immunodéprimés qui fait un cancer, un sida, une transfusion. Alors, quand un patient fait beaucoup de mycoses, on cherche quoi comme maladie? On cherche quoi? C'est un malade qui a beaucoup de mycoses. Un d'une mycose buccale, un dit au niveau de la plante du pied, un dit au niveau des angles. Qu'est-ce qu'on fait, on cherche? Un dit une perlèche, une mycose buccale, une perlèche. On recherche un diabète. Parce que le diabète est responsable d'une immunodépression. Et c'est pour cela que les gens diabétiques font beaucoup de mycoses, parce qu'ils sont immunodéprimés. D'accord? Alors, ces infections virales, ces infections mycosiques peuvent être fatales chez les sujets. Effectivement, les gens qui font sida, oui, ils font beaucoup d'infections mycosiques. Et comment on reconnaît le pathologiste, comment il reconnaît l'infection virale? C'est surtout à des colorations histochimiques. Il y a des colorations qui nous permettent de voir les virus. Par exemple, le PAS, qui est Mahada, ça c'est un PAS, c'est une coccidiomycose, soit un gomorigrocote qui met de la coloration, qui va nous montrer les filaments mycosiques sous forme de filaments noirâtres. On a une réaction inflammatoire au contact du champignon, mais plus souvent, elles sont pas spécifiques. C'est-à-dire, la réaction inflammatoire caractéristique des mycoses, mais ça n'entraîne pas une inflammation spécifique qui permet aux pathologistes de la reconnaître. Mais ils peuvent parfois entraîner une réaction inflammatoire de nature granulomateuse. Attention, on a une inflammation granulomateuse chez nous avec une nécrose de type caséeuse. On suspecte quel agent? Une nécrose caséeuse. Une inflammation granulomateuse avec une nécrose caséeuse chez nous. Le BK. La tuberculose. Et quand on est au niveau de l'Amérique latine, si on est au niveau de l'Amérique latine, un ganglion fait une inflammation granulomateuse avec une nécrose caséeuse en Algérie, on suspecte la tuberculose. Ça, quand on est en Amérique latine, on propose l'histoplasmose. À Kouchoufto, l'histoplasmose, elle peut entraîner une inflammation granulomateuse avec une nécrose caséeuse qui met le BK. D'accord? Je vais vous donner un exemple d'infection mycosique, c'est l'aspergillose. L'aspergillose, l'agent, c'est l'aspergillus. Et généralement, au niveau cytologique ou histologique, on va voir, regardez ces filaments. Ah, on a une aspergillose hacheux. C'est un hacheux. C'est des filaments myciliens de l'aspergillose. Quand on les colore avec de la coloration spéciale, qui est le gomorigrocote, ils vont apparaître sous forme noirâtre et on dira, voilà, c'est une aspergillose. On a les candidoses. Les candidoses, t'as la forme, par contre. Là, t'as la fauche les candidoses. Ça, c'est une candidose. L'agent, c'est le candida albicans. Ils peuvent être au niveau de la bouche ou au niveau du col. Alors, on peut avoir chez les immunodéprimés même une septicémie à candida. Ce sont des filaments myciliens basophiles dans un tissu de granulation banale riche en polynucléaire. OK? Alors, les autres micro-organismes pathogènes chez l'homme, alors que je fais plein, l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, on le voit où? On le voit généralement au niveau de l'estomac. Il est responsable, bravo Lina, on voit au niveau de l'estomac, il est responsable, c'est lui qui est responsable des hépatites, des gastrites chroniques. Et il peut entraîner. Il peut être responsable de l'apparition d'adénocarcinome et même de lymphome au niveau de l'estomac. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça va, vous avez tout compris? Ah, donc les infections, les lésions infectieuses, elles peuvent être d'origine virale. Attendez un exemple.
d'une lésion virale au niveau d'une lésion virale. Attendez un exemple. Vous n'avez pas d'exemple? Attendez un exemple. Oui, l'HPV. Les virus hépatitiques B. Le BV, qu'est-ce qu'il entraîne? L'Epstein-Barr, bravo. Par exemple, qu'est-ce qu'il entraîne l'Epstein-Barr? Il peut entraîner un lymphome, oui. Là, je suis en train de lire les commentaires. Carcinome de nasopharynx. Carcinome du nasopharynx, bravo. Aussi, les lymphomes. La maladie d'Hodgkin, bravo, aussi. Les infections parasitaires. Le kyste hydatique, il est conformé de combien de parois? Trois parois. Très bien, trois. La toute dernière, je colle au contact de l'organe. On a? Trop légère. C'est la plus interne. Allez, je me de l'intérieur, Sarah. Le périkyste, la plus externe. Et la cuticule, c'est la moyenne. Bravo, vous avez bien, tout le monde a bien répondu. Bravo, si vous n'avez pas de questions, les jeunes, on termine le cours. Mais laissez-moi des appréciations par rapport à la clarté du cours, s'il vous plaît. Je veux vos remarques par rapport à la clarté du cours avant de quitter ce cours. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que c'était clair, les jeunes? Laissez vos appréciations avant de sortir. Docteur, si vous voulez, on vous laisse un email et comme ça, vous pouvez nous envoyer le cours. Il n'y a pas de problème, je vais l'envoyer à votre délégué. Je vais le donner à votre délégué. D'accord, merci. C'était merci. Clair, merci. Merci, allez, bon courage et bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Révisez vos cours avant les TP, s'il vous plaît. Et révisez votre premier cours avant d'aller au service. Je compte sur vous.